Et c'est parti pour le tournoi d'anglais. Le tournoi d'anglais, ouais. Faut pas faire des tournois de français un peu. Alors, par quoi je commence ça? Comme ça, j'ai le bonus, je fais là. Après, bonus, bonus. Allez, c'est parti. Je m'étais trompé de numéro, je me suis excusé. I had gotten the wrong number. I apologize. Fais un petit tour sur Google. Apologized. 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 Ok, apologized. Elle a reçu la lettre que nous lui avions envoyée. Reçu la lettre que nous lui avions envoyée. She receives the letter we had sent her. Écris le code postal à côté du nom du village. Write the zip code next to the. Write the zip code next to the. Next to the name. Oh, amen. Name of the village. J'essaie de l'appeler, c'est encore le répondeur. Essaie de le appeler, ce est encore le répondeur. I'm trying to call her, it's voicemail again. Le poème que tu m'as écrit me touche profondément. The poem you wrote me touches me. Non, c'est pas ça. The poem you wrote to me touches me Elle a deeply. lu à haute voix ce que nous avions écrit. A lu à haute voix ce que nous avions écrit. She read out loud. What we had written. Tu as lu les lettres que je lui avais écrites? Did you had? Did you had read to him the letter? Non, c'est ici qu'il y a to him. Did you read the letter? Did you. Pourquoi j'ai mis had? Did you read the letter I had written to him? J'ai oublié ce qu'elle m'avait dit ce jour-là. Aïe, aïe, aïe. J'ai oublié. Oublié ce Ce. que elle M'avait. me avait dit ce jour-là. I forgot what they had said to me that day. Tu as acheté le pain, je t'avais laissé un message sur ton répondeur. Ah, désolé, je n'ai pas encore écouté le message. Oh, sorry, I have not listened to my message yet. J'ai laissé un message Message. sur son répondeur, j'espère qu'elle va me rappeler. Rappeler. I left a message on her voicemail, I hope she is going to call me back. La carte postale que vous m'aviez envoyée s'est Postal. perdue. Perdu. Je ne l'ai jamais reçue. The postcard you had sent me got lost. I never received it. Tu as lu les lettres que je lui avais écrites?
Did you read the letter I had written to him? Ah, faut que j'aurai un truc. Et ça marche. Par contre, la miniature, c'est pas bon sur YouTube. Si le verre est à moitié plein, cela signifie qu'une moitié du verre est pleine et l'autre moitié est vide. Completely full. Or full. Un concours est une compétition qui donne des prix aux meilleurs candidats. A contest. Half. À moitié. On peut faire cuire les pommes de terre au four, à la poêle. Il fait chaud. Ta glace va fondre, elle va devenir... Compétition. Concours. L'huître est un fruit de mer qu'on mange cru ou cuit. Ah, on y trouve parfois des perles. Jelly. Fish. Je ne connais aucun de ces mots. L'huître. Je vais mettre ça parce qu'il y a fish, ça fait penser à poisson. Ces huîtres de l'Atlantique sont délicieuses. Oysters. 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 Faites cuire le poulet pendant une heure. Cuire le poulet pendant une heure. Cook the chicken for an hour. Tu ne trouveras pas de macarons à la boucherie. You will not find macarons at the butcher. Il ne faut pas que le beurre fonde complètement. The butter must not complètement. Et pour la viande, il faut faire quoi? Tu as fait cuire au four pendant une heure. You cook it in the oven for an hour. J'aime les huîtres, mais je ne sais pas les ouvrir. I like oyster, but I don't know how to open them. Le chef qui goûte ce gâteau de célèbre, c'est lui qui... Le chef qui goûte ce cadeau, ce gâteau est célèbre. C'est lui qui mange le concours, c'est lui qui cuisine. Juge.
The chef who is testing this cake is famous. He is the one who is judging the competition for the best dessert. Eh bien, c'est toi qui as laissé le chocolat au soleil. Ah oui, pardon. Ah oui, pardon, désolé, il a déjà fondu. Ah yes, excuse me, sorry, it already melted. Je doute que tes macarons soient meilleurs que les miens. I doubt your macarons are better than mine. Monsieur, ma boîte de macarons est à moitié vide. Sir, my macarons box is half of. Empty. Sir, my box of macarons is half empty. Il fait chaud. Ta glace va fondre. Elle va devenir liquide. To melt. L'huître est un fruit de mer qu'on mange cru ou cuit. On y trouve parfois des... Monsieur, ma boîte de macarons est à moitié vide. Sir, my box of macarons is half empty. Comme tu peux le voir, il pleut. Pass. Se mettre à faire quelque chose, c'est commencer à faire cette chose. To start. Pass. Come. Come. Il faut faire fondre le chocolat avec le beurre. You must melt the chocolate with the butter. Le chef s'est mis à pleurer devant ses casseroles. Le chef. The chef. Oh non, c'est pas ça, j'étais sûr de moi. The chef started crying in front of his suspense. Raté. Bon, j'ai mélangé le sucre et le beurre et maintenant je fais quoi? Tu fais fondre le chocolat, tu ajoutes you melt the chocolate and you had it. Je suis sûr que Léa se blessera en cuisinant. I'm sure Léa will. I'm sure Léa will get hurt. I'm sure Léa will get hurt cooking. C'était bon en plus. Nous cuisinerons ensemble en buvant du vin rouge. We will cook together. Nous cuisinerons ensemble en buvant du vin rouge. We will cook together. Why? Nous cuisinerons ensemble en buvant du vin rouge. Alors, we will cook together while drinking red wine. Casse le chocolat en morceaux et fais-le fondre au micro-ondes. Break the chocolate into pieces and melt it. In the microwave. Tu goûteras des produits typiques de la région. You will taste typical products of the region. Je doute que ta ratatouille soit assez salée.
I doubt your ratatouille is enough. I doubt your ratatouille is enough, salty. Ces desserts sucrés sont typiques du Maroc. Sont typiques du Maroc. These sweet desserts are typical of Morocco. Je ne mettrai pas de lait dans la ratatouille. I will not put milk in the ratatouille. Ça fait deux fois que je mange chez Marc et c'est très mauvais. C'est vrai, j'espère qu'il ne cuisinera plus. It's true, I hope he won't cook anymore. Pour préparer une ratatouille, il faut beaucoup de légumes et en particulier des... Préparer poivron. To make a ratatouille, you need a lot of vegetables and in particular bell peppers. As comme hay, œil, present, cadeau, water, mer. Water. Si vous voulez découvrir les saveurs locales, je vous conseille ce fromage typique de la région. Région. If you want to discover the local flavors, I recommend this cheese typical of the region. Le chef s'est mis à pleurer devant ses casseroles. The chef started crying in front of his saucepans. Je suis sûr que Léa se blessera en cuisinant. I'm sure Léa will get hurt cooking. Je doute que ta ratatouille soit assez salée. I doubt your ratatouille is enough salty. Je doute que ta ratatouille soit assez salée. Hard. Let's go. Et cuit. On fait cuire le pain dans le four. Regarde, essayer de cuire. Fais frire l'oignon en premier, puis ajoute les autres ingrédients dans la assiette. Voilà. Poêle. Fry the onion first and add the other ingredients into the frying pan. Les œufs au plat sont cuits comme j'aime. Ils les font cuire parfaitement dans ce bistrot. Moi, je préfère manger des œufs au plat ce soir. D'accord, je sors la poêle. Ok, we'll get the frying pan out. I don't think the quantities are exact. Je ne pense pas que les quantité exacte. Tu n'as pas dû mettre les bonnes quantités dans ta recette. You must be right. My dish is really bad. C'est Max qui s'occupe de faire frire le poisson. It is Max who is taking care of frying the fish. You back. The cake for how long? Bake. Tu vas fais cuire le gâteau pendant combien de temps? Ma mère ne sait cuisiner que deux choses, des pizzas surgelées et des œufs au plat. Les légumes surgelés sont tellement pratiques. Frozen vegetables are so practical. Il faut les faire frire une dizaine de minutes.
You must fry them for 10 minutes. You must fry them for about. There is only one frozen pizza left for tonight. Il ne y a que une pizza surgelée pour ce soir. Mais pourquoi tu fais frire des huîtres? But why did you say fries? Frire. Oh, moi, je voulais écrire ça. But why did you fries? Non, c'est fryer. But why did you fry? Oysters. Ah ouais, c'est ça. Tu ferais cuire la tarte combien de temps, toi? You would fry the tarte. For how long? You would bake. Cuire. Ah ouais, d'accord. Pourquoi j'ai écrit frire, hein, c'est cuire. Cuire. You would bake the pie for how long? Il n'y a plus qu'une pizza surgelée pour ce soir. There is only one freeze pizza for tonight. Surgelé. Frozen. Je ne pense pas que les quantités soient exactes. I don't think the quantities are exact. Eddie s'est encore trompé dans les quantités de son gâteau. Il a mis beaucoup trop de sucre et même son fils junior ne veut pas le manger. Le gâteau est trop sucré. Ma mère ne sait cuisiner que deux choses, des pizzas surgelées et des œufs au plat. Heureusement, il faut les faire frire une dizaine de minutes. You must fry them for about 10 minutes. Tu ferais cuire la tarte combien de temps, toi? You would back. Cuire. Ouais. You would back the pie for how long? Eddie s'est encore trompé dans les quantités de son gâteau. Il a mis beaucoup trop de sucre et même son fils junior ne... Le gâteau est trop sucré. That it's not good. It's this product in particular that we want. Ce produit en particulier que nous voulons. Il est possible que tu reçoives un email du chef. It is possible that you will
Il est possible que tu reçoives un email du chef. It is possible that you will receive an email from the boss. I must see this employee in particular. Il faut que je voie cet employé en particulier. I don't doubt that he really is making an effort. Je ne doute pas qu'il pense qu'il fasse vraiment des efforts. I doubt you are really making an effort. Je doute que tu fasses des efforts. The employees must make an effort. Il faut que les employés fassent des efforts. In particular, we chatted about my future. En particulier, nous avons discuté de mon avenir. I don't think they plan to invite us. Je ne pense pas qu'ils prévoient de nous inviter. Je ne suis jamais détendu quand je suis au bureau. The press published a beautiful article about our factory. La presse a publié un bel article sur notre usine. Mon amie Lorena a publié son premier livre. I doubt you are really making an effort. Je doute que tu fasses des efforts. Hardware, let's go. Il faut que je voie cet employé en particulier. I must see this employee in particular. Oh, c'est ça. Did you plan something in particular? As-tu prévu quelque chose en particulier? Il ne faut pas que tu croies tout ce qu'elle dit. You must not. Il ne faut pas que tu croies. You must not. Il ne faut pas que tu croies tout ce qu'elle dit. You must not believe. You must not believe everything. Il ne faut pas que tu croies tout ce qu'elle dit. You must not believe everything that she say. That she says. I must drink a strong coffee right away. I must drink. Il faut que je boive un café fort. Tout de suite. Tu as prévu quelque chose en particulier? Did you plan something in particular?
particular. I must do extra hours. Je dois faire des heures supplémentaires. C'est ce produit en particulier que nous voulons. This is this product in particular. That's what we want. C'est bon. Alors, it is this product in particular that we want. Ah, c'est juste ça l'erreur. Ok. I must see if I'm available on Monday. Je dois voir si je suis. Je dois voir si je suis disponible lundi. Il ne faut pas que tu croies à n'importe quoi. You must not think. I mean, anything, c'est rien. You must not think. Je sais pas. You must not believe just anything. Quoi? J'ai écrit penser à la place de croire. You must not believe just. I need you to translate this document into Russian. J'ai besoin que tu traduises ce document en russe. Il est possible que tu doives patienter un peu. It is possible that you will have. Là, j'écris que tu as. It is possible that you will have to wait a little. I need you to make the list of customers. I need you to make the list. La liste des clients. Je ne pense pas que tu doives rester si tard. I don't think you have to stay. Je ne pense pas. I don't think you have to stay. So. Late. Tard. Ah oui, c'est ça. We need you to be a little faster. Nous avons besoin que tu sois un peu plus rapide. Tout faire le plus tôt possible est impossible. Do everything, tout faire le plus tôt possible. As soon as possible is impossible. Je sais pas comment ça commence. Ah, c'est doing. Doing everything as soon as possible is impossible. Et voilà. I would like to talk to you about one thing in particular. J'aimerais te parler d'une chose en particulier. You must do this as soon as possible. Tu dois faire cela. You must do this as soon as possible. Tu
dois faire cela le plus tôt possible. C'est ce produit en particulier que nous voulons. This is this project in particular we want. I say it is. Je l'ai eu tout à l'heure, ça va. Il ne faut pas que tu croies à n'importe quoi. You must not believe in just anything. Il est possible que tu doives patienter un peu. It is possible that you have to wait. It is possible that you have to wait. Non, c'est pas ça. It is possible that you will have to wait a little. Tout faire le plus tôt possible est impossible. Doing everything as soon as possible is impossible. I need to drink. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi il faut toujours qu'elle fasse n'importe quoi? Passe. Le chef de José veut qu'il fasse 10 heures supplémentaires, c'est trop. Il devrait chercher un autre travail. He should look for another job. Paul veut voir tous les nouveaux modèles, il faut qu'il voie celui-là. Attention, je ne veux pas que mon patron ne s'aperçoive ici au café. Ah, tu devrais être au bureau. Oh, should you be at the office? Comment pouvez-vous être aussi désordonné? Oh, do you want so... désordonné. Oh, can you be so messy? Ok. Effectivement, pour voir si Ken ne sait pas d'où. D'où c'est fait, ah, eh oui, je dois réfléchir un peu. She wants him to do extra hours. Elle veut qu'il fasse des heures supplémentaires. Ce n'est pas surprenant. Elle est si désordonnée. It is not. It is not surprising. She is so messy. Le chef a très calmement expliqué à ses employés qu'il n'était pas possible d'avoir toutes les semaines un week-end de 3 jours. Les employés veulent un plus long week-end. Il ne faut pas que le chef nous aperçoive ici. Non, c'est the boss.
The boss must not see us here. Il faut que Léa revoie ce client rapidement parce qu'elle s'est trompée dans le prix du nouveau contrat qu'il a signé hier. Il est possible que Léa voie le client avant nous. It is possible that Léa see the customer before us. It is possible that Léa will see the customer before us. C'est stressant de travailler avec des gens désordonnés. C'est stressant de travailler avec des gens désordonnés. Désordonné. It's stressant to work with messy people. I would call me explain the situation to her. Je lui expliquerai calmement la situation. Patrick n'est pas capable de travailler calmement. Patrick is not capable to work of working calmly. It's stressful to work with messy people. C'est stressant de travailler avec des gens désordonnés. Hey, hello. Oh shit, j'ai pas vu. I'm from France. Sorry. Et un follower aussi. Thank you for the follow. The boss must not see us here. Le patron ne doit pas. Le patron ne doit pas nous voir ici. Ah, you are here. You are German? No. I'm English, but learning. Okay, you are learning German. Nice. On Duolingo? Il ne faut pas que le chef nous aperçoive ici. I doubt she will believe what Hugo tells her. Je doute qu'elle croit ce qu'Hugo lui dise. Je doute qu'elle croit à ce qu'Hugo lui raconte. Ok. Je doute qu'elle croit. Watch Hugo. À ce qu'Hugo lui raconte. Comment pouvez-vous être aussi désordonné? Hey Phil, where are you from? From Hugo or... US. Comment pouvez-vous être aussi désordonné? Oh, do you? Be so. Merci, c'est pas ça.
Ah, j'ai encore oublié pouvoir. Oh, can you be? Oh, can you be? Ah non, j'ai écrit deux à la place de can. Okay. Oh, can you be? So, merci. Il est possible que Léa voie le client avant nous. It is possible that Léa will see the customer before us. The boss must not see us here. Le chef ne doit pas nous voir ici. I doubt she will believe what Hugo tells her. Je doute qu'elle croit à ce qu'Hugo lui dit. Comment pouvez-vous être aussi désordonné? Oh, can you be so messy? Nous faisons trop d'heures supplémentaires, il faut que nous fassions grève. Grâce à ce syndicat, les conditions de travail des ouvriers se sont beaucoup améliorées en 50 ans. C'est une association... Syndicat et des ouvriers. Léa est en pleine forme en ce moment. Il est toujours de bonne humeur. Léo, pas Léa. Il est toujours détendu quand il est en voyage. En vacances, pas voyage. He is always relaxed when he is on vacation. Je ne crois pas que vous deviez venir le dimanche. Je ne crois pas que vous deviez venir le dimanche. I don't think you have to come on Sundays. Tu crois que la grève va enfin s'arrêter? Si les syndicats et les patrons sont d'accord, oui. If the unions and the bosses agree, yes. Tu as l'air stressé. Essaie d'être plus détendu. You look like try to be, you look like stressed, try to be more. Tu as l'air stressé, c'est d'être plus détendu. Ah, c'est quoi déjà détendu? Détendu. Ok, relaxed. Pourquoi j'ai écrit like? You look stressed, try to be more relaxed. Je voudrais que nous revoyions ce dossier ensemble, vous êtes libre. Oui, on peut se voir à 16 heures, ça va. Yes, we can meet at 4 o'clock. Yes, that's okay. Il est possible que nous devions faire grève. Il est possible que nous devions faire grève. It is possible that we will have to go on strike. We must see this contract together. Nous devons voir ce contrat ensemble. Il faut que nous prévoyions la prochaine réunion. Il faut que nous prévoyions la prochaine réunion. Prévoyons. Ok. We must plan the next meeting. Le syndicat veut que nous fassions grève. The union wants us to go on strike. Il ne faut pas que vous buviez le café de la chef. «
You must not drink the boss's coffee. It is possible that we will have to go on strike. Il est possible que nous devions faire grève. J'ai besoin que vous fassiez ça pour demain. I need you Alors j'ai besoin I need you to make that for tomorrow. You look stressed. Try to be more relaxed. Tu as l'air stressé. Essaye d'être plus détendu. Tu as l'air stressé. The union wants us to go on strike. The union. Ensuite, le syndicat. On veut que nous fassions grève. I really doubt you will see him again one day. Je doute vraiment que tu le vois. Je doute vraiment que tu le vois encore un jour. Je doute vraiment que vous le revoyez un jour. Ah oui, again, c'est revoyer. Tu as l'air stressé. Essaie d'être plus détendu. You look straight. Try to be more relaxed. C'est pas ça là que je viens de faire? Ah oui, mais il faut que j'écris en français maintenant. Tu as l'air stressé. Essaie d'être plus détendu. I really doubt you will see him again one day. Je doute vraiment que tu le revoyes. Je doute vraiment que tu le revois un jour. Je doute vraiment que vous le revoyez un jour. Je doute vraiment que tu le revois. Que tu le revoies, c'est ça. Oh là là. C'était l'imparfait, non, si je dis pas de bêtises. Je doute vraiment que tu le revoyais un jour. What? Ah non, c'est du subjonctif présent. Je doute vraiment que tu le revois, c'est ça? Tu ou bien alors? Ouais, ouais, c'était ça.
Vous inventez souvent des excuses pour expliquer vos retards, mais aujourd'hui, il faut que vous en inventiez. Tu devras appeler ta mère, elle risque de s'inquiéter. C'est vrai, toujours stressé. It's true, she is always stressed. Ils font une autre réunion et il faut plutôt qu'ils fassent une pause. Notre collègue Max va bientôt prendre sa retraite. Our colleague Max is going to retire soon. Ils ne doivent pas s'inquiéter. La chef de cette entreprise a inventé une méthode. Raté. Ses nouveaux clients n'ont pas l'air d'avoir aimé David. Yes, I thought I will see Tim again. Pour mieux préparer leur future retraite, il faut que Bruno et Léa prévoient de faire des activités pour s'occuper et ne pas se disputer. Je ne vois pas Daniel. Il ne travaille plus ici. Non, il a 65 ans. Il a pris sa retraite. No, he is 65 years old. He retired. Je doute qu'il croit à ces publicités stupides. I doubt that they will believe. In those stupid advertisements. Il faut que les employés fassent des efforts. Il faut que les employés fassent des efforts. Les employés must make an effort. I doubt they will believe those stupid advertisements. Je doute qu'ils croient à ces publicités stupides. Il faut que les clients boivent tout le champagne. Que les clients boivent. That the clients drink all the champagne. As is the customer must drink all the champagne. Yes. The employers must make an effort. Les employés doivent faire un effort. Nous ne pensons pas qu'elles doivent s'inquiéter. C'est les patrons qui doivent faire des efforts. C'est toujours les employés. Nous ne pensons pas qu'elles doivent s'inquiéter. We don't think that they have to worry. You are young, you cannot retire. Tu es jeune, you are young, you cannot retire. You cannot retire. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas prendre la retraite. We don't think they have to worry. Nous ne pensons pas qu'elles doivent s'inquiéter. They invented the robots that replace them.
Elles, non, c'est ils ont inventé le robot. Qui les ont remplacés. Ils ont inventé, c'était ça. Les robots, bravo, au lieu de jeu, qui les ont remplacés. Eh bien, ils ne doivent pas s'inquiéter. La chef de cette entreprise a inventé une méthode efficace pour sauver cette usine. Et... Il faut que les employés fassent des efforts. Il faut que les employés fassent des efforts. The employee must make an effort. They invented the robots that replace them. Ils ont inventé les robots qui les ont remplacés. Break time? Yeah, break time.